Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ma Mode à moi. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur quoi porter pour camoufler mon petit ventre. Alors, si comme moi, vous avez encore un peu votre petit ventre de grossesse qui vous avez du mal à le dissimuler, vous avez du mal à l'effacer, des choses comme ça, vous avez pas mal de petites choses que vous pouvez porter au quotidien pour pouvoir le gommer. Donc, je vais vous montrer ça. Donc déjà, en temps normal, moi j'aime bien, j'ai un tout petit ventre de femme enceinte encore, et je pense que j'aurai encore un petit moment celui-là. Et du coup, en fait, je porte des petites choses comme ça, donc autant je me permets de porter du semi-ajusté, je vous montrerai ce que c'est, autant parfois je préfère porter des choses un peu plus loose comme ça, comme le top que je porte aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose que je peux rentrer et à l'intérieur du pantalon, ou une jupe, ou alors que je peux porter par-dessus. Voilà. Il faut savoir aussi que pour pouvoir affiner la silhouette, vous pouvez rajouter un gilet ou un blazer que je vous montrerai, je vous montrerai tout à l'heure pour voir ce que ça donne. Donc voilà, soit vous la jouez plutôt décontractée avec le top, soit vous préférez continuer à gommer la ligne pour donner une meilleure silhouette avec un gilet ou une veste. Donc c'est parti. Donc le semi-ajusté, qu'est-ce que c'est? Le semi-ajusté, c'est ça. C'est un top ni trop près du corps, ni trop large. Donc là, voilà ce que ça donne. Il faudrait que je vous montre une photo sur mon site, mon compte Facebook. Mais voilà, en général, voilà, le semi-ajusté, qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est quelque chose de près du corps, mais pas trop. Donc là, ensuite, si vous souhaitez rajouter une veste, vous pouvez. Si pour vous la veste est trop chaude par les temps, les températures qui commencent à arriver, vous pouvez rajouter plus facilement un gilet sans problème. Voilà. Mais voilà une petite astuce pour pouvoir, en plus des tops que je vais vous présenter, le gilet ou la veste pour gommer la silhouette. Ça, c'est pas mal. Ensuite, passons à la coupe droite. Alors la coupe droite, moi j'ai un produit ici qui me plaît bien, c'est ça. Voilà, donc là la dentelle en ce moment c'est hyper tendance, et donc du coup on va avoir du près du corps, on va avoir des coupes droites, des coupes un peu plus loose. Donc là j'ai choisi une coupe droite où j'intègre dessous un petit top, et là par-dessus le pantalon ou la jupe. Donc là pour le coup moi je le porte par-dessus un jean. Et je pense que cet été, je ne le mettrai pas par-dessus un short, en jean aussi. Voilà. Et là, voilà, c'est l'effet, la matière est vaporeuse, donc du coup, ça ne vous rajoute pas de volume. Par contre, c'est quelque chose qui va gommer automatiquement l'effet poignée d'amour qu'on veut effacer. Un autre style de coupe droite que vous pouvez également porter. Donc là, celui-ci, c'est soit vous le portez par-dessus votre bas, ou alors vous le rentrez à l'intérieur du pantalon. Ou de la jupe, toujours. Voilà. Ensuite, une autre forme de t-shirt qu'on aime bien porter pour dissimuler toute trace de poignée d'amour, je me le répète, c'est ce genre de choses. Pourquoi? Parce que là, on va avoir des plis, voilà, toutes sortes de plis. Ça va faire un effet soufflé. Donc, la matière, elle arrive sur le bas. Grâce à la petite bande, là, qu'on aime bien, ça va donner un effet blousé. Donc, forcément, la matière, on a du volume. Donc, c'est un volume fluide. Donc, ça ne rajoute pas à la corpulence. Par contre, ça va camoufler ce petit ventre, et ça, c'est très léger, et c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, et voilà. Donc ce genre de top là, je vous le recommande particulièrement. Donc voilà, pour la petite info, ça vient de chez Nafnaf. Voilà. Ensuite là, chez Camailleux, toujours dans le même esprit de la bande et de l'effet blousé, Vous avez plein de petites choses comme ça, hein. Il suffit juste d'aller chiner un petit peu dans les boutiques. Là, ça vient de chez Camailleux. Bon, ça vient de l'été dernier. Et puis, c'est des matières légères, agréables et recintrées sur le bas. Et ça nous permet
de nous sentir bien, pas engoncés. Et franchement, moi j'aime beaucoup. Donc ensuite, je vais passer au cache-cœur. Alors, le cache-cœur aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on aime bien. Alors, le cache-cœur, donc là, c'est un cache-cœur cousu, hein, donc là, il n'y a pas de surprise, hein, il n'y a pas de coucou, un coup de vent, on voit tout. C'est un cache-cœur qui a un effet ballon, d'accord? Donc là, celui-ci, pareil, vous le posez par-dessus votre pantalon ou votre jupe, hein, et vous le laissez voler au vent, sans problème. Je l'ai aussi en beige. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et donc ça, parfait aussi, ça cache un petit peu l'effet disgracieux du ventre quand ça marque. Et je me suis accrochée. Et super. Vous pouvez jouer aussi l'effet péplum. Alors péplum, qu'est-ce que c'est? C'est des hauts à basque. Donc c'est quelque chose qui est ajusté en dessous de la poitrine et qui part en trapèze sur les hanches. Donc là, vous pouvez en mettre et y aller, quoi. Il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez jouer du péplum sans aucun problème. Voilà pour le haut à basque. Aussi, il y a une astuce, c'est vous pouvez utiliser des hauts à trapèze. Donc des hauts trapèzes, pour des hauts trapèzes, mais je vais y arriver. C'est des hauts. Mince, à taille empire, et c'est les tailles empire qui partent en trapèze par la suite. Donc du coup, pour éliminer toute trace d'effet indésirable par rapport au fait que ça pourrait nous donner l'effet de femme enceinte, là pour le coup, là je ne retrouve pas l'effet femme enceinte. Pourquoi? Parce que j'ai du volume ici, c'est une matière fluide et légère. Donc là pour le coup, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas d'effet femme enceinte. Par contre, ce qui est intéressant, je vous montrerai sur une robe, c'est que quand vous choisissez un haut, admettons quelque chose qui n'est pas de volant, un haut avec une grosse bande, là l'effet femme enceinte se dissipe et c'est tout à fait ravissant. Donc une autre forme de haut qui fonctionne. Donc là, c'est quelque chose qui est cousu sur le bas, d'accord, avec un nœud, et c'est raccroché à la bande ici, d'accord. Donc j'ai un petit nœud sur le côté, voilà, ça donne un petit côté foufou à ce top. Et là voilà, c'est quelque chose qui vit, qui est léger, qui est agréable et qui marque pas, qui ne rajoute pas de volume puisqu'il est fluide et on a toujours l'effet blousé grâce à la bande et voilà, ça vous pouvez en user, vous pouvez en abuser, j'ai envie de vous dire, allez-y. Ensuite, oula, ça va tomber. Vous avez toutes sortes des coupes droites comme celle-ci. Donc cette coupe droite-là, vous pouvez la porter par-dessus dans l'esprit loose, ou vous pouvez l'ajuster, ou vous pouvez la blouser. Donc ça fonctionne. Donc là, ça vient de chez Mime. Et là, chez H&M, c'est quelque chose que je viens d'acheter, c'est tout nouveau. Et donc là, par contre, je le porterai par-dessus le pantalon sans problème. Donc vous aussi, si vous n'aimez pas cet effet-là, ben vous l'enlevez, c'est pas un problème. Bon, c'est pour toutes celles comme moi qui aiment bien les choses larges où on se sent bien dedans quand on n'a pas forcément envie de se la jouer femme pour le coup. Donc voilà, toutes ces petites choses-là, ça fonctionne pour cacher notre petit ventre. Passons aux robes. Donc là, vous avez vu, hein, je vous ai sorti un petit peu tout ce que j'ai dans la garde-robe. Tout. J'en rajoute un peu parce que j'ai quand même deux placards bien remplis. Donc du coup, j'ai sélectionné les articles qui convient à cette vidéo. Donc là, on est chez Cavailleux. Non, Cache-Cache. Et dans cette robe-là, on a les plis. Voilà. Le plissage qui est juste ici, qui va donner du volume au niveau qu'on veut cacher. On a la petite bande qui va démarquer et on a l'effet ajusté sur le bas, donc qui va créer un bel ensemble de la silhouette. Donc là,
toujours chez Cache-Cache. Donc j'ai la même chose avec un col différent et des matières différentes, sauf qu'on est toujours sur quelque chose d'ajusté à la taille, de près du corps au niveau du bas et de large, de fluide un peu plus en haut. Donc ça fonctionne. Ensuite, donc là, je ne sais pas trop quel rendu ça va donner, mais là, ici, pareil, c'est une robe qui vient de chez 99. J'ai 3 plis, d'accord? Ça donne 3 soufflets, ça va donner de l'ampleur au niveau du ventre. C'est ajusté, on a une taille avec une grosse bande et une ceinture qui se trouve là. Oh là là, mon Dieu, cette robe, elle est infernale à présenter. Donc voilà. Et donc, on a des manches effet ballon. Donc du coup, l'effet ballon va se retrouver et à la manche et au niveau de la taille. Et on a quelque chose de léger et de vaporeux sur le bas. Donc là, pareil. Même si on est sur une matière légère, ça ne marque pas. Et les soufflets vont donner du volume qui vont... Ça va gommer l'effet indésirable. On parlait de taille en pierre tout à l'heure. En voici une. En voici une robe taille en pierre. Donc celle-ci, elle part pas trop en trapèze. Mais vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de grosses bandes qui retirent tout effet de femme enceinte. Donc là, un blazer, un sautoir. Parfait. Encore un effet taille en pierre. Voilà, donc là vous avez le nœud qui se resserre, les manches ballon, voilà. Donc des robes structurées comme ça, qui partent un petit peu sur les hanches, c'est parfait. Alors pour finir, donc j'ai mes combis pantalons. Voilà, donc celle-ci elle vient de chez Pimki, c'est une combi cache-cœur. D'accord. On a une toute petite ceinture ici et moi je rajoute une ceinture personnellement par-dessus. Donc ça tranche, ça finit la tenue. Donc là voilà, l'effet élastiqué de la combi et le fait qu'on est sur un cache-cœur, ça va donner du volume. Et puis encore une fois, ça va gommer ce qu'on veut gommer. Et la dernière combi, elle vient de chez ProMode. Donc celle-ci... Pareil, là, on a un gros élastique et on est toujours dans une matière fluide et légère qui nous permet d'éviter à rajouter une tour de taille. Parce que ce qu'on veut, justement, c'est paraître fine. Et grâce à ça, ça fonctionne. Donc voilà mesdames, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça a répondu un petit peu à toutes vos attentes. Si toutefois certaines d'entre vous qui visionnent la vidéo auraient d'autres astuces, ben n'hésitez pas, allez-y, commentez, venez sur le compte Facebook, on en discute, il n'y a pas de souci. Au contraire, plus on est de fous, plus on rit. Et puis sinon, je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous dis bonne fête des mères, bye bye.